Une nouvelle partie, donc toujours avec le voleur, on essaye de finir certaines missions qui nous sont données. Alors, contre un chasseur, voleur contre un chasseur. Ah. La traque commence. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais. Écoutez, c'est pas si mal que ça pour démarrer. On va le garder. Moi, j'aime bien. Pas très coûteux, pas très... C'est pas mal. En plus, mais j'ai mon petit mot bonus. Les attaques, c'est directement au héros adverse. Donc, les deux petits 1 qui sont là, sont très bien. Magnifique démarrage. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que t'en penses des Chitectora? Qu'est-ce que tu penses de ce démarrage? Très belle main. C'est une main magnifique. Alors on va commencer simplement, hein, on va aller taper en face. Bon, allez. Suivant. Alors, c'est bon. 32 points de dégâts, oui, j'avoue. Aïe, j'ai pris, c'est bon. Alors, bon bah écoute. Juste pour l'embêter un peu. Bon, on repart. Suivant. Là, il va commencer à faire un final, mais il me fait chier. Bon, on se comprend. Et là, j'ai 2 points de décalage avec lui. Avec ce qui va tomber après, ça va l'embêter. Ah oui. Ah oui, un très 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 bon démarrage qui peut faire plaisir, puisque là pour le prochain tour on va mettre à chaque fois qu'un secret t'as pas de chance, des secrets j'en ai pas. Que dire? Je suis à 3, on va mettre le 3. Je vais tenter le coup. Là, je crois que tu vas pas être bien quand même. Hein. Même si tu mets 4 points de dégâts à chaque fois, c'est pas grave, mais... Mets un secret. Hein. Sinon, tu vas le perdre. Ok. Tout va bien, moi je suis content. Ouais, trop tard pour le secret, mon titi. Hein. T'aurais dû le mettre avant d'attaquer. Alors, on est à 4. Mais comme je ne veux pas rentrer dans Fourberie, je vais tenter le coup. Pas de soucis. Mais alors. Allons-y. Tout va bien pour nous. J'ai bien fait de m'attendre à sa fourberie. En plus, il me donne la possibilité de mettre un point de dégâts en plus. C'est sympa, j'aime bien. Alors. Chose très sympathique. Bon, il n'a rien d'autre à poser. Alors, je suis à 5. Eh ben, écoute. On va mettre le 3. Un tir, un mort. Il est l'heure de mourir. Allons-y. Il est un peu en perte de vitesse parce que là il sait qu'il est obligé de taper là pour pouvoir m'attaquer. Donc il lui reste que plus que ça. Qu'est-ce que vous voulez? Très bien.
Ok, pas de problème. On va commencer à jouer, ça c'est sympa. Alors, 2 pour faire tomber là-bas. 1. À moi de jouer. Ah, ça c'est bon ça. Bah écoute, c'est très sympathique. Très très sympathique. Un tir, ça, un mort. Ça m'intéresse pas. Mais si je le mets là, ça va donner un petit sens au jeu. Cela. Je vais tenter le coup. Voilà, ça c'était le côté sympathique. Le côté moins sympathique pour mon adversaire, c'est que j'ai 3. Faut pas chercher longue défense. Donc je vais en plus aller le taper. Je crois qu'il apprécie pas. Puis s'il joue bête, j'ai de la bête. C'est sympathique. Alors, que va-t-il faire? Eh oui, mais tu confères à qui? Très bien. Très bien. Oh putain. Ah, pas de soucis. Alors, justement, dans cette action-là, nous allons faire ça. On va aller te taper, parce que c'est beaucoup plus vrai qu'on peut te taper. Et on va récupérer nos armes. Et maintenant, c'est à toi. Donc là, t'es pas bien. Ah, il y a une charge à 5-2. Bien. Invoque. Bien. Et donc, que vas-tu faire? Tu m'attaques en direct. D'accord. Très bien. Qu'est-ce que je vais avoir comme carte dans les mains? 7. Ah, intéressant. C'est très bien ça. Pour 2, pas une petite provocation. Ensuite. Donc faut que ça puisse arriver à un compte de 6. Lui, il va disparaître. Et tour suivant. On est en train de faire un revirement de situation qui est pas si mal que ça. Alors, il va m'attaquer là, il va m'attaquer avec l'autre. Bien. Je rêve le monstre. Oh, c'est magnifique. Regarde ce qu'il vient de me poser. Et là, je sors. Détruisez la cible adverse, ça fait mal. Une provocation. Je n'ai pas assez de mal. Allons-y. Et on va taper. Et là, on se dit. Je crois que c'est un peu embêtant. Alors, tu vas taper avec le 4 ou le. Ah, t'es pas bien là. Ah oui.
C'est beau quand même. Regarde ce que je lui ai détruit. Oui, il verra. Alors, il te reste plus que 2 pour aller taper. Ou une grosse carte, bien sûr. Tu vas me faire 4 points de dégâts, 5 points de dégâts. Non, 6 points de dégâts, pardon. Très bien. Il y a un problème. Oh, elle est belle celle-là. Qu'est-ce que je peux donc faire? Alors. Écuyer, soignez-moi. Prêt, chef. Ce n'est pas une cible valide. Combien j'ai de points de vie? Ah ouais. Donc, bah là, je suis pas bien du tout. Tellement d'options. Bien là, joué. Là, c'est une très belle partie, parce que là, je ne peux strictement rien faire. Merci. Dans le cadre de la partie qu'il y a là, je ne peux que détruire ça. Et lui dire qu'il a gagné. Félicitations, c'était une très belle partie. Très 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 jolie partie. Wow. Joli retournement, même s'il y a eu des petits moments assez chauds. Bah écoutez, hein, suivez-nous, amusez-vous, faites-vous plaisir, continuez à nous suivre, puis likez, hein, continuez à liker, abonnez-vous, faites vos commentaires. Ciao tout le monde!